Vous allez pas me croire, mais je suis en train de me faire courser par des putains de rapaces qui veulent me prendre pour le petit déjeuner, chacun. Que vous aussi, vous vous dites que vous allez regarder les films en anglais sous-titré anglais pour apprendre l'anglais, et puis au final, vous regardez en anglais sous-titré français parce que vous avez la flemme et du coup, vous n'apprenez jamais l'anglais. This is my life. Moi et ma team, on est dans le game. Tu vas faire quoi? Dix-huitième arrondissement, 7-7-8. J'suis dans tout ce qui n'est pas permis, j'suis dans des mauvais jazz. Ça flingue, ça canabre, j'ai un benga. Sous la norade, papa mes locaux, que Jojo, Liga, Adriano, c'est les sa. Kishta, Bukaka, Valet. Too emotional, your apathy is like a wounded soul. Cette partie est beaucoup mieux que l'autre. Eh hey, mais de ouf, carrément, quand t'arrives à cette page là, genre t'as grave envie d'écrire alors que ici t'as plus envie. Je me réveille, je vois ça à 5 mètres de mon lit, je repars dormir. Eh hey, mais ça c'est pas une araignée humaine, hein. T'es mal à la taille de ses pattes, wesh, ils sont plus grandes que son corps. Moi je vois ça dans ma chambre, carrément je le tue même pas, je le brûle comme ça, je suis sûr il revit pas. Seule l'élite n'a jamais touché à cette merde. Mais ça c'est quoi, on dirait pas les capsules là dans Dragon Ball Z, même quand il les jette, genre il y a des voitures qui apparaissent ou des maisons et tout. Il n'est jamais à sa place, personne l'a utilisé et personne l'a vu. Par contre j'ai une question, j'arrive même plus à dormir carrément. Vous appelez ça un coupon ou bien un ciseau à ongles? Genre vraiment. حطني جوا بعيونك شوف بيا الدنيا كيف احلى من شوقي وجنونك لما جيلك يوم يضيف. Putain, à demain je commence à quelle heure déjà? 8h. Ouais, je vais mettre mon réveil à 7h. Non, 7h02. Il est quelle heure? 7h. 7h! Et il me reste 2 minutes. Hey yo, beats! Nice to meet ya. Step in first. Christian Dior. Around. That's right. On top. It's tricky. It's the play. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. Tricky. Hey, yo, step it forward. Step it forward. Round one. J'aime pas du tout. Que Inox Tag,
sera avec nous la semaine prochaine. Alors c'est un, voilà, c'est une énorme star, je le kiffe de ouf, il le sait, célèbre youtubeur. Il a caché 3 boîtes dans toute la France dans sa dernière vidéo. 2 d'entre elles ont déjà été trouvées. Pour la dernière, celle de Paris, il manque la fin du code pour l'obtenir. Et je l'ai en ma possession. Sachez-le, le code pour gagner le cadeau de ouf. Un cure. Les gagnants rencontreront Inox et feront un live avec lui. Le code 1201F. 1201F. Voilà, les chéris. Et Inox Tag sera avec nous la semaine prochaine. Bon. Piou. Oh shit. Piou. Don't you do it. Piou, piou. Oh, you don't do it. Et puis j'ai chez tout le monde pareil. Bon, et toi, mon petit Mathéo? Alors, les chéris, comment ça va? Tu dois avoir une petite copine par-ci par-là. Non, même pas. Allez, comment elle s'appelle? On n'a pas. Oh, il me fait le timide. Et à Tata Martine, tu peux tout lui dire. Hein. Moi, tu sais, bouche cousue, tu le sais. Alors, comment elle s'appelle? Tu vas pas me faire croire que t'as pas de succès. Avec tes petites fossettes et ta petite frange à la DiCaprio, là, ça doit marcher avec les filles. Hein. Allez, comment elle s'appelle? Oh, peut-être tu pourrais me dire quand même. Non. Allez, Julie. Non. Oh my god, what? You know, bro. Who's that? Turn. When you lose the ball? Turn. Que j'ai fait crier toute mon école à la rentrée scolaire. Good morning. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Essaye de pas danser, c'est tout. T'es prêt? Anniversaire de Queen, je lui ai offert un énorme cadeau, on va aller le découvrir ensemble. Bon, je vous le dis à vous, c'est une voiture, mais Queen n'a pas le permis. Bon, de toute façon, je peux vous le dire, il comprend rien de toute façon, ce chien. On sort de la salle, on va au parking, on lui cache les yeux parce qu'il faut pas qu'il voit. On y va, mon garçon, allez. Vous allez me dire, acheter une voiture pour un chien, c'est vrai que c'est un budget et c'est un peu abusé. Mais mon chien, il a 1 an, et s'il est heureux, je suis heureux. Et voilà la voiture que j'ai achetée à mon fils. Elle est pas trop belle? Non, je rigole, c'est celle-ci, la même que papa. Queen va conduire la voiture sur son prochain TikTok. Je l'ai identifié. Be fucked up if you can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you. Bonjour, je vais vous prendre votre glace la plus grande s'il vous plaît. Par contre, il y a du lactose dans la glace. Je suis intolérant au lactose, du coup pas de glace s'il vous plaît. Je vais juste vous prendre un peu de Kinder Bueno s'il vous plaît. Mais pas trop.
voilà, c'est bon, parfait, merci. À 6,80. Par carte, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Nouveau concept, je dessine des paires pour des TikTokers, influenceurs, YouTubeurs. On va commencer avec Inox Tag. Pour le coup, je suis parti sur son modèle phare chez Nike, la Nike TN. Et je me suis inspiré de la collab avec Supreme, où ils avaient marqué Supreme sur le côté de la cage. Et j'ai remplacé Supreme par Inox. Après quelques tentatives, je trouve que le résultat est plutôt pas mal avec le Inox sur le côté de la cage. Et en plus, je trouve ça assez discret, donc c'est plutôt cool. En ce qui concerne le coloris, je suis parti sur un coloris purple, parce que purple goes et parce que je sais qu'il kiffe le violet. Donc j'ai pris 3 nuances de violet et j'ai fait un petit fondu au niveau de la shape de la TN. Et après, je vais mettre les bulles en violet aussi, quelques petits détails aussi en violet. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la paire et dis-moi un autre TikToker, influenceur, YouTuber. Et je te laisse kiffer avec le résultat. L'évolution du couple selon le rappeur préféré du gars. Partie 1. Kobalade. Alors les filles, si son rappeur préféré c'est Kobalade, fuyez. Là, il n'y a aucune perspective d'avenir. Ça, c'est des couples bourbiers. Sur Snap, vous allez être bloqués tous les 3 jours pendant 2-3 heures. Vous ne savez pas pourquoi. Lui, il disparaît de la carte Snap. Il apparaît, il disparaît. Non, là, franchement, faut fuir. Ça, c'est des charros finis. Il n'y a pas d'espoir et il n'y a plus. PNL. Ça, c'est le piège classique. Parce que là, le couple, il va être beau, il va être fun, il va être classe. Mais ça, c'est des mecs qui sont trop intelligents. Ça veut dire les filles, il va vous tromper. Vous allez même pas le cramer. Et même si vous le cramez, il vous récupère comme il veut. Trop confiance en lui. Méfiez-vous. PNL, méfiez-vous. Dites-moi si vous avez kiffé cette édition spéciale rappeur. Allez follow sur Insta, mettez un like, abonnez-vous, partagez, vous connaissez l'équipe. Est-ce que vous voyez la différence entre ça? Et ça? What can I say except you're welcome? For the tides, the sun, the sky. Non, vous voyez pas? Je vais vous expliquer. La première chose que je vous ai montré, c'est du doublage. La deuxième, c'est de la création de voix. Et là, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que c'est, Jessie, la création de voix? Avant de vous expliquer ce que c'est la création de voix, je vais vous expliquer ce que c'est que le doublage. Un doublage est utilisé quand on doit doubler une version américaine, une version allemande, une version, en gros, qui est étrangère de notre pays. La bande rythmo, c'est le texte qui défile en dessous de l'image. Comme il y a déjà les voix originales des acteurs qui ont tourné dans la scène, il faut obligatoirement les doubler pour pouvoir leur donner une voix française. Et pour les dessins animés, c'est pareil. Contrairement à la création de voix, qui là ne nécessite aucune bande rythmo et aucune image, si ce n'est quelques animatiques. La création de voix, c'est ce que font par exemple les Américains sur les films Disney. Je vous prends l'exemple de Dwayne The Rock Johnson avec Vaiana. On le voit là en train de chanter, en train de faire sa voix, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas la voix qui va se poser sur l'animation, mais c'est l'animation qui va se poser sur la voix. C'est-à-dire que l'animation va être faite, mais après la voix. Alors que quand on double, l'animation est faite avant. Les Français, nous, quand c'est pas, bah ça vient pas de France, on est obligé de doubler parce que l'animation a été faite sur la version originale. Donc on le double. Du coup, c'est pour ça que généralement en VO, la voix colle beaucoup mieux au personnage qu'en VF, parce que l'animation a été faite pour coller à la voix originale et pas à la VF. Un exemple de création de voix française, Astérix et le Domaine des Dieux. C'est un studio français qui fait l'animation. Du coup, les voix sont faites avant pour ensuite faire l'animation sur les voix. C'est la chance d'enregistrer en français, c'est-à-dire que la voix est maîtresse et directrice de toute l'animation derrière. Vous savez donc maintenant quelle est la différence entre le doublage et la création de voix. Désormais, vous saurez quoi répondre quand on vous posera la question. Ah mais bien sûr que c'est que t'es un beauf. Mais non frère, je te jure que je suis pas un beauf. Ok, très bien, on va faire le test. Ok, vas-y, je suis chaud. Quand tu pars en vacances, tu mets quoi avec tes sandales? Je mets rien avec, je prends mes sandales et mes pieds nus. Ok. Ok, plus dur. La place de la femme, c'est où? C'est à la... À la, à la, à la, à la... À la... Où elle veut. Okay. Est-ce que t'as déjà léché les... Oh, je vois pas de quoi je parle. Je vois pas de quoi je parle. Ok, t'es fort. T'es fort, t'es fort. Ah. Allô? À l'huile. Ah, mais pourquoi t'as cédé? Ah, je sais, j'ai paniqué, je suis désolé. Mais t'étais si près du but. Tiens sur mon doigt. Mais j'ai même pas eu le temps de tirer ton doigt. Je sais, je suis autonome, j'ai pas besoin de ton aide. Tu es tous tes efforts. Il serait temps d'aller dégorger le poireau là. Tu les enchaînes. Je vais faire pleurer le col. Salut, je suis mentaliste et en fait, je t'ai observé de loin et j'ai déduit des choses de toi. Je sais même pas si c'est légal. Du coup, est-ce que tu veux bien que j'essaye de te dire ce que j'ai déduit? Ok, vas-y, je te laisse me rejoindre. Du coup, t'as 16 ans. La première chose que j'ai déduit de toi, de ton physique, je dirais que t'es assez sportif.
J'ai deux sports en tête qui me viennent instinctivement quand je te vois. C'est soit la natation, soit l'équitation. Est-ce que c'en est un des deux? Ouais. Ouais, tu souris sur l'équitation, donc c'est l'équitation. Ouais. Ok, ça c'est cool. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que t'as un grand frère. Non, j'ai pas de grand frère. T'as pas de grand frère? Non, deux petites sœurs. Deux petites sœurs. Et bien ça, ça sera coupé, tu vois. Du coup, je vais essayer de trouver ton métier idéal, qu'est-ce que tu pourrais faire plus tard. Ça pourrait être médecin, mais je te vois pas trop en mode de... Ah, médecin, ça te parle un peu? Ouais, mais quoi? Ouais, quoi, c'est précis. Wow. Est-ce que tu peux penser à la première lettre du nom de ton métier? Pense juste à la première lettre, ça peut être Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, A, G, F, D, C, B, A. Ton visage il s'est décontracté, vous verrez à la caméra sur le P. C'est ouais. Un P, c'est ça? Ok, ça c'est cool. Si c'est pas ça, je n'ai aucune idée. J'aurais pu partir sur un psy, mais je te vois pas là-dedans. Ok, donc tu pensais à pédiatre? Ouais. Ouais, ok, génial. J'ai eu du mal, j'étais en galère avec toi, hein. C'est rare. Hein. Bonjour, est-ce que je peux prendre cette nourriture pour chien s'il vous plaît? Avez-vous un chien monsieur? Oui, il est à la maison. Avant de vous vendre de la nourriture pour chien, je dois voir votre chien. C'est la politique de la maison. Bonjour, est-ce que je peux prendre cette nourriture pour chat, s'il vous plaît? Avez-vous un chat, monsieur? Oui, il est à la maison. Je suis désolé, monsieur, politique du magasin. Je dois d'abord voir votre chat avant de vous vendre cette nourriture. Mettez votre main dans le sac. C'est tout mou et chaud. Eh oui, c'est vrai, je dois acheter un rouleau de papier toilette.